Pour les JO, c'est un ouvrage particulièrement important puisqu'il va permettre de relier deux sites particulièrement importants pendant les Jeux, le Stade de France et donc le Centre Aquatique Olympique qui va accueillir les épreuves de plongeon, de natation synchronisée, de waterpolo. Donc c'est particulièrement nécessaire et puis surtout pour le territoire, pour Saint-Denis, pour la Seine-Saint-Denis dans son ensemble. Eh bien, c'est un beau symbole parce que cette passerelle, elle recouvre l'autoroute A1 et donc c'est une illustration supplémentaire que les Jeux, eh bien, c'est de l'héritage. Les Jeux, c'est des réparations du territoire et ça en fait une très belle démonstration. Je passe dessous tous les jours, du coup je me suis dit que j'étais curieuse de voir à quoi ça ressemblait, l'avancée des travaux, tout ça. Je pensais pas qu'il y avait des vitres comme ça où on pouvait voir le paysage.